Lorsque des pompiers se foutent sur la gueule avec des flics, alors c'est un signal fort. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout du bout. Ça veut dire que la société dans son ensemble, elle a trop de bugs. Trop de colère irrésolue. Ici et là. Partout. Et du coup, elle n'arrive plus du tout à fonctionner. Si notre société était un ordinateur, il y aurait ce qu'on appelait avant l'écran bleu. Ou l'écran de la mort. Une erreur système permanente. Comme une fatale erreur. Une erreur système qui entraîne automatiquement un reboot. Un grand reboot. Et quelque chose me dit qu'on est arrivé à ce grand reboot automatique de la société française. Un reboot qui va être lent. Et qui va durer longtemps. Un long moment de chaos. Comme ça. Ce grand reboot politique et social, d'une certaine manière, on l'a entamé avec les gilets jaunes. C'est une certitude. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'Emmanuel Macron se rende compte de la profondeur de ce dysfonctionnement. Qu'il comprenne qu'il est porteur d'une politique destructrice de son propre peuple, ce qui est à présent intenable. Et qu'il prenne la sage décision de, soit démissionner, et engager un processus d'élection présidentielle anticipée, soit dissoudre l'Assemblée et accepter une cohabitation avec forcément quelqu'un qui le combattra, soit changer drastiquement sa vision du monde ainsi que la quasi-totalité de sa politique. Enfin moi perso, si je m'appelais Emmanuel Macron, j'aurais la chiasse.